par l'étage, à toi, oui, c'est permis. C'est pour l'amour. Je me suis laissé emmener tout simplement car je savais. Chantez! Toi que je t'aimais. Et je savais que c'était toi que je voulais. Pour moi, et depuis, on est là. Là, là. Voilà. Toujours là. Toi et moi. Là, vous savez quoi? Elle ne m'a pas cessé. Ouais, puis maintenant. Alors. Vous allez prendre le téléphone et par le cœur. Vous allez prendre le téléphone et chante. Le cantage est autorisé. Voilà. Le téléphone anglais, vivez. Je me suis aimé. La belle histoire, chantez plus fort. La belle histoire, c'est si elle est heureuse. C'est notre histoire. Les cantages sont levés. Ah ouais, c'est ça maintenant. C'est ça. Oh, quelqu'un pour les accompagner. Et là, ça va, une chérie très bien parolier. Par Donatella Versace aussi. Papa, venez, papa. Voilà. Voilà. Papa, bonsoir. Bienvenue, vous êtes en l'heure, vous êtes honoré. Alors, dites-nous ce que vous pensez. La joie que vous avez. On vous écoute. Je lui donne mon micro. Tu dans le tien? Ok. La joie que m'anime est énormément immense. Au point où il me manque même les mots de l'exprimer. Je suis ému de joie. Je ne peux que féliciter mon petit frère et son couple et leur promettre et leur souhaiter une longue vie et une bonne prospérité. Et que Dieu la bénisse. Amen. Amen. On applaudit. Vous êtes jaloux de lui, de notre vie ou quoi? On applaudit. Pour nous, monsieur Alain et madame Cécile Roy, c'est bien aujourd'hui. Ce qui m'a plu en ce groupe, c'est qu'ils ont pris le temps pour se connaître, puisqu'il y a un chef de cahier, le mariage n'est pas un jeu d'enfant. Et voilà, je remercie vraiment à monsieur Alain, il a compris. Ils ont pris du temps, ils ont vécu ensemble, ils sont décidés enfin de se programmer devant tout le monde. Ce que je pourrais dire au nom de la famille, c'est aussi de leur souhaiter un bon. C'est juste on vous souhaite que le meilleur. Merci beaucoup, que du meilleur pour vous. Merci. Nous sommes venus prendre votre soeur. On a pris et on prend le soin. Et vous êtes partis avec nous. On a pris belle femme.
nous ne sommes pas de la situation, mais de l'événement. Et vous savez, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos enfants, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour le commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Ô mon Dieu et bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, attirez au ciel toutes les âmes, secourez spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Prie à notre ange gardien, qui Dieu m'a confié, aidez-moi, montre-moi le bon chemin, et veillez sur moi. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons le courage. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons le courage. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons le courage. Maman te confie Alain et Cécile. Maman, il faut intercéder pour que passer ton travail. Maman le Père, priez soit Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Mais tout le quartier nous a accompagnés. On n'a pas eu le courage même d'arriver au niveau de la tombe. C'est Alain qui est descendu dans la tombe pour porter le cercueil maintenant. Je tenais vraiment à lui rendre cet hommage pour dire qu'il fait partie de la famille Tchossi. Et j'aimerais qu'on commence aussi cette soirée parce que c'est la première fois où moi je suis présent en tant que successeur. Mais mon feu père qui a été devant tous les événements des Dengue. Il était présent. Donc j'ai dit qu'on se lève une minute pour rendre hommage à nos deux, les différentes personnes, nos deux familles qui sont disparues. Je pense au papa de la famille d'Alain, je pense au grand frère Feu Grongo, je pense à maman Sabine qui nous a quittés récemment et aussi à papa Tchossi. On se lève juste pour une minute à leur honneur. Jamais,
Choisissent cette femme avec qui ils vont reconstruire cette famille sans arrêt. Amen. Je leur demande, je leur donne ce conseil, c'est d'être unis. Même si c'est Alain qui pose un mauvais acte, que sa femme l'appelle dans leur chambre et lui demande c'est quoi ça. Jamais. Je suis Bamois. Chez nous, les Bamois, on dit que deux personnes marchaient en route. Parmi les deux, il y avait un sorcier et un voleur. Le sorcier demandait, mais vous n'avez pas entendu les gens s'entretenir ici pour qu'ils viennent faire du mal à l'un d'entre eux et s'en aller très loin, on restera. Accuser son frère avec qui il s'entretenait, pourtant il n'y connaissait rien. Le voleur demandait, on n'a pas oublié une porte ouverte quelque part pour qu'il entre, il vole. Quand il vole, il s'en va loin, on laissera dire que c'est son frère avec qui ils se sont engueulés qui a volé. Je vous donne ce conseil, mes enfants. Tenez-vous par la main et marcher ensemble. Et je vous ai dit que je suis Bamois, je vais chanter un peu à la Bamois. Pour nous dire tous que nous sommes là. Il y a des hypocrites qui sont venus seulement boire. Mais c'est les mêmes qui vont causer du désordre entre les deux. Le sang de Jésus donne cette célébration. Le groupe prend de 5h à 11h, il se réveille. Le deuxième groupe prend de 11h à 16h, il se réveille. Ainsi de suite, ainsi de...
Si vous me voyez devant vous apparaît le mariage d'Alain est en train de me sauver. Je suis en train de bavarder au micro, je perds le temps pour attendre mon heure pour aller dans. Pardon si c'est bon, on applaudit très très fort. Est-ce que les bafans sont là? Est-ce que les bafans sont là? Yamelalo. Voilà, j'adore ça. Papa Alino, tu n'as pas fait le mauvais choix, tu as fait le bon choix. T'as même dit confirme. Bon, t'as mis 100 kilos, c'est moi, comme il a dit tout à l'heure. Maintenant, on entre dans le but du sujet. L'argent est bien ou ce n'est pas bien? L'argent est bien ou ce n'est pas bien? L'argent est bien ou ce n'est pas bien? C'est le pauvre qui dit que le carreau glisse, est-ce que j'ai menti? C'est le même pauvre qui dit la maison à l'étage est un hermétique, est-ce que j'ai menti? C'est le même pauvre qui dit la boucherie, est-ce que j'ai menti? C'est le pauvre qui dit la Guinée c'est amer, est-ce que j'ai menti? C'est le même pauvre qui dit la vie appartient à celui qui se lève tôt, est-ce que j'ai menti? La vie appartient à celui qui se lève tôt? Hein? Tout à l'heure à 4 heures, vous allez continuer au marché d'accord. Dès que vous allez sortir d'ici, pour. Les hommes dorment sur les sacs du macabre au marché d'accord. Dieu ne les voit pas. Dieu ne les voit pas. En vérité, les blancs sont venus nous tromper. Les blancs sont venus nous dire, l'eau c'est la vie. L'eau c'est la vie. L'eau c'est la vie. Que celui qui dit que l'eau c'est la vie va tomber dans le fourri. Lui-même il va confirmer que la mort n'a pas de rendez-vous. Les mêmes blancs sont venus nous dire que la terre tourne. Depuis que la terre tourne, Douala ne s'est jamais trouvé à Bafang. Bafang ne s'est jamais trouvé à Yaoundé. Mais les blancs nous font comprendre que la terre... Ces mêmes blancs sont venus encore nous dire l'alphabet française a 26 lettres, arrivé sur V. Au lieu de dire que l'inspiration est finie, les gars, W. IW. Les W là, nous c'est même à quoi? Quand on écrit Vouri, ça veut W, non? Mais on dit comment vous savez qu'on pouvait écrire avec un seul crayon qui tue. Quand on écrit pardon, ça veut dire W, non? Mais on dit comment va. Ça veut dire qu'on pouvait écrire avec un seul crayon qui tue. Il y a les seuls ennemis au Cameroun qui peuvent nous prouver qu'il y a les double A, les double B, les double C. Par exemple, les nordistes, est-ce qu'il y a les nordistes ici? Quand un nordiste fait tiche, il dit Z. Quand un nordiste fait parfait, il dit farfait. Est-ce qu'il y a les bassins ici? Applaudissez aussi très très fort pour les bassins, s'il vous plaît. Est-ce que les bassins sont là? Vous avez déjà vu les bassins au stade de football? Ça donne ceci. Magnan, sortie de bonne, même bon, République de voler, reprise de voler, de dire République de voler. Vous avez connu l'ancien ministre de l'Agriculture, le Feu Kodong. Le Feu Kodong arrive au nord lors d'un meeting. Il rassemble tous les nordistes, il prend la parole, il dit ceci. Je vous parle en tant que ministre de l'agriculture. Un nordiste se lève et dit, tu dis. Il y a les bambinétés ici. Il y a aussi les bambinétés. Vous avez déjà vu les bambinétés à la chorale? Les bambinétés à la chorale, ça donne ceci. Il y a vraiment personne. Merci. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Quand je marche. Personne que je retourne. Personne que je cours. Personne, il y a vraiment personne comme lui. Est-ce qu'on peut applaudir très bien? Voilà, quand j'entrais ici, je croyais être le garçon le plus chaud. Mais dès lors, j'ai porté le pied pour au sein de cette porte. J'ai confirmé qu'il y a un monsieur qui est dedans. Il est mignon. Est-ce qu'on peut applaudir très très fort pour le marié, s'il vous plaît? Monsieur le marié, levez-vous. Applaudissez très très fort pour le marié. Monsieur Alino. Levez-vous, on applaudit très très fort, levez-vous, on applaudit très très fort. Est-ce qu'il n'est pas mignon? Est-ce qu'il n'est pas chaud? L'ensemble d'Esther, si que vous voyez sur lui, il y a trois personnes au monde qui portent ça. La première personne, Dieu le Père, créateur du ciel et de la terre. La deuxième personne, Emmanuel Cron,
Le voilà ici, Macron. Le voilà. Et la troisième personne, le voici devant vous. C'est une personne avec stigmatisation. Quand vous avez chaud, il a froid. Quand vous avez froid, il a chaud. Il rêve tout à l'intérieur. Elle se parvenue très très fort. Applaudissez très très fort. Non, on n'est pas président pour rien. Vous-même, vous avez vu son entrée tout à l'heure. Il est entré comme le Kougouma. Il est entré comme le Kougouma. La démarche donnait ceci. Elles sont pas applaudies très très fort, s'il vous plaît. Derrière un grand monsieur se cache une grande. Elles sont pas applaudies pour la princesse, la reine de la soirée, s'il vous plaît. Applaudissez très très fort, mais pas nous tirer à la gorge. Applaudissez. Tout à l'heure à la mairie, lorsque le maire a signé l'acte de mariage, la femme était devant. Aline était derrière. Elle chantait, ça donnait ceci. Pim pim pim. Pim pim pim. Elle sortait et tout. Pim pim pim. Pim pim pim. Les copines étaient dehors, ils criaient, ils dansaient. Voilà Aline derrière. La danse d'Aline nous donnait ceci. Pim pim pim. Parlez encore. Pim pim pim. Parlez. Pim pim pim. Vous entendez, il dit dans son cœur, location de la salle, 700 000. Pim pim pim. Parlez encore. Pim pim pim. Parlez encore. 400 invités fois 6 000 francs le plat. Seigneur, toi seul, tu vas m'aider à rembourser les crédits. C'est lui qui n'a connu pas ce qui est malheureux. Allez, pim, pim, pim. Tu ne te pas, oh, ne t'arrête pas. Pim, pim, pim. Je l'attends ici. Pim pim pim. Pim pim pim. Pim pim pim. Pardon, s'il vous plaît, je vais vous donner un conseil. Maman, dès que tu sors d'ici ce soir, il y a les chansons que tu dois écouter, il y a celles que tu ne dois plus écouter. Dès que tu sors d'ici, tu veux écouter une belle mélodie pour te reposer. Écoute par exemple Nadia Wane. Fais-moi l'amour jusqu'à la mort, avec ton corps, avec ton cœur, je t'en supplie. Fais-moi l'amour, c'est encore très beau. Si tu peux pas écouter Nadia Wane, merci, président. Ah, maintenant vous avez fait la monnaie, c'est ça. Oui, si tu peux pas écouter Nadia Wane, écoute encore Sergio Polo. Amour à Dieu, amour à vie, c'est pour l'éternité. Amour à Dieu. Ne tente pas d'écouter les chansons de Chakala VIP. Non. Alain a dit papa applaudissez très très fort pour le grand patron. Oh, merci beaucoup président. Merci beaucoup papa. Merci, merci beaucoup. Merci. Si je ne dis pas, on ne t'arrête pas. Merci beaucoup. Oh, ça c'est le boss des boss, monsieur Sheraton. Tous les établissements Sheraton, c'est lui. Ne tente pas d'écouter les chansons de Chakala VIP. Hey, Alain a dit que moi je me marie aujourd'hui. Ah nan nan nan, je m'en fous des bons pères. Le père de qui? Tu t'en fous du père de qui? Ah nan nan nan, je m'en fous des belles-mères. La mère de qui? Tu t'en fous de la mère de qui? Ah nan nan nan, je m'en fous des belles-sœurs. La sœur de qui? Pardon, tonton Alain. Si vous constatez que madame et tout n'est pas des chansons, sors, tu vas au boulot, arrange-en. Arrête au marché, Congo. Achète ta part de CD. Dès que tu rentres à la maison, tu prends une bonne touche. Tu prends place au salon. Je t'appelle. Hé, mon coucou, mon chouillou, s'il te plaît, tu peux me prendre une pierre au bar. Pose le pied droit au sein de la porte. Bam, tu appuies. Pré. Tu sais ce que ça va chanter. Ça va chanter ceci. À présent que je suis au courant. Tu vas rentrer chez tes parents en courant. Va-t'en. J'ai dit va-t'en. Je n'en veux plus. Tu vas le tout. Elles sont m'applaudies très très fort, s'il vous plaît. Celui qui m'applaudit parce qu'il est malheureux. On applaudit à l'autre, c'est fort. I'm a manager. Hey, come along.
Ça peut aider les enfants avec à la maison. Quand je sortais l'enfant, je fais, je l'ai mis au congélateur. Merci, merci beaucoup. Au plus misère. Nous avons une volée royale. Nous avons une sauté de légumes. Comme dans l'étude d'accompagnement. Nous avons du riz aux petits pois. Nous avons du riz aux légumes. Nous avons les yams blancs, nous avons les tubercules de manioc blanc, nous avons des plantains vapeurs, nous avons du lion d'or, nous avons des fruits de plantain. Et moi, si je reviens à la page de moi, va se servir en faisant ça. Donc, en sortant comme ça, on va servir, et on va venir sans commentaire. Quand les mariés auront fini, bien sûr, jusqu'à ce qu'ils se retrouvent sur leur table. On est en train de manger, comme l'a dit maman, la maman tout à l'heure, et que tout ce que vous avez avalé vous circule tout dans l'estomac, et que vous ayez une digestion amoureuse, parce que ce soir, on fait l'amour. Donc tout ce qu'on fait, c'est l'amour. On mange, c'est l'amour. On boit, l'amour. On fait tout ce soir, en amour. Allons-y rapidement, tiens, on s'est dit ça. La bonne appétit. Honneur à la femme, parce qu'il est dit, hein, si un mariage a réussi, c'est la